Aujourd'hui, biceps day, j'ai envie d'envoyer une bonne séance biceps. Je trouve que j'ai envie de travailler, je suis un peu fatigué. Mais bon, là, je suis énervé, là. Je suis énervé et la seule séance que je peux faire quand je suis énervé, c'est les biceps. J'ai envie de m'arracher les biceps et faire les choses bien, de la meilleure des façons. Il est actuellement 21h24. J'ai 1h30 pour faire une bonne séance. Si j'ai le temps, je fais un peu de triceps à la fin, sinon je fais que du biceps. J'ai vraiment envie de m'arracher. Sachant que j'ai pas fait de bulk day biceps hardcore. J'ai dû faire une séance biceps, mais pas hardcore. Là, j'ai envie de me faire mal pour de vrai. Donc, on va faire un warm-up. J'ai pris les 8 kilos. Et on va envoyer. D'ailleurs, si tu fais des bons biceps, je t'invite à suivre cette séance intense parce qu'on va se faire mal. C'est important. Là, je mets mon casque juste pour le warm-up, juste pour bien me chauffer, pour bien me réveiller. Parce que je suis un peu KO. J'aurai du travail. Tu vois, j'ai besoin de me réveiller, me mettre dans un mood focus. En plus, là, je mets des musiques de films de boules, donc là, c'est un peu compliqué de bien se concentrer. Donc là, dès que je me mets bien, je retire mon casque et on y va. Les vidéos YouTube, tu fais une séance à la salle, t'as une pub, c'est dur. Premier warm-up, on va faire une rep, les deux reps. On va faire 15 ou 20 répétitions, on a 8 kilos, ça va, et on va garder un bon contrôle. Allez, on voit. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15, allez, jusqu'avant. 16, allez. Je suis à 16. 16. C'est dur ce soir avec la musique. 17. 18. 19. 20. Parfait. Oh. Là, j'ai cherché un haut vite. Je voulais être bien chaud pour le retirer, mais j'ai déjà chaud. Puis j'ai un bonnet, tu vois. Donc, je retire mon haut vite. Comme ça, on sera bien. Sachant que je commence déjà à avoir des mini crampes juste avec le warm-up. C'est-à-dire que ça s'annonce noir. Vraiment. Ça va être incroyable. Parce qu'on va faire le même exercice. Sauf que là, on est sorti du warm-up. Donc, j'ai pris les 16 kilos. Une rep, les deux reps. On va aller à 8 ou 10 reps. Je pense que 8, ça va être bon. Et après, je prends les 8 kilos et je fais du curl serré. Et je fais à 10, enfin, je fais 10 répétitions. Là, normalement, là, ça me fait mal. Premier exercice, on tape sur le genou lourd, on tape sur les choses qui font mal, les choses que je faisais avant. Mais là, je le sentais. On voit déjà des veines sur les bras, mais là, ça va être incroyable. Allez. Tout en spination. Spination pour avoir que du ressenti sur les biceps. On y va. Une. Deux. Quatre. Allez. Cinq. 6, 7, 8, je suis pas là, 10, 9, 10, wow, oh. Serré,
J'irai. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Parfait. Ça va. Je suis bien. Quand je suis bien, c'est parfait. On m'a posé une question par rapport au temps de repos que je prends dans mes séances, dans mes bulk days. Ça dépend. Je peux prendre 2 minutes, je peux prendre 3 minutes, je peux prendre 4 minutes. Ça dépend de ma fatigue. Là, par exemple, je viens du travail, je suis fatigué, je sais que je vais me faire mal. Je serai entre 2 et 3 minutes de repos pour être bien et pas avoir trop mal et assumer mes répétitions tranquillement. Parfois, je peux prendre 1 minute. Parfois, je peux prendre moins d'une minute. Ça dépend vraiment de ma forme. Là, j'ai pas pris de pré-workout, j'ai rien pris du tout. Je sais même pas si j'ai un energy gel. Tu vois, parce que je suis parti vite. Mais je pense que je vais en avoir un. J'en ai toujours normalement. Mais là, ça dépend vraiment de ma fatigue, les temps de repos. Vraiment. Deuxième. On fait ça bien. Allez. Oh. Une. Deux. Trois. Ok. Quatre. Cinq. 6. C'est mal. 7. 8. Je m'arrête à 8. Oh. Ah, ça brûle. Je m'arrête à 8. Serré maintenant. Ça, je pourrais en faire 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Ok. Je sonne comme les bodybuilders à côté 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Parfait, parfait. Oh. Je l'ai monté pour... l'unilatéral, man, mais c'est mort. Je reste à 16. Je vais faire 3 séries pour être bien et pour optimiser la séance le mieux possible, tu vois. Et puis, voilà. Il manque une dernière. Je me pose et je repars. Allez, une dernière. Fais ça bien. On y va. Une. 2 3 4 5 6 7 8. Oh. 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 Ça fait longtemps que ça m'a fait un pas mal comme ça. Très très longtemps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Oh. Allez. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Oh. J'ai mal. J'ai mal. C'est incroyable. Mais on va continuer. Pas lâcher. On est bien. On est vraiment bien. Là, j'ai envoyé du curl biceps en prise neutre ou prise marteau avec 2 secondes de contraction. J'ai pris 20 kilos pour ça. Et juste après, double curl biceps avec les 8. Donc 20 kilos, prise marteau unilatérale et 8, double prise tranquillement. On va se faire 8, 10 ou 10, 10. Tout dépend comment je les sens. Mais je pense plus 8, 10, ça va faire mal. On va prendre une petite énergie gel, très important.
faut que je le montre. Energy gel, code d'AMS, my protein. Ça, c'est mon petit remontant. Mon meilleur complément. Mes petits électrolytes. Pour ceux qui se filment en salle, pour ceux qui veulent faire du contenu, c'est dur. Hein. Faire une vraie séance et se filmer, c'est super dur. En général, on fait une séance moyenne. Quand on se filme, parce qu'il faut passer au cadrage. Il faut penser à placer la caméra, il faut penser à pas gêner les gens. Mais moi, je suis arrivé à un stade où je m'en tape de tout, tu vois. Juste, je fais attention de ne pas déranger les gens, mais je m'en tape de tout et je suis focus. La caméra, je la connais depuis des années, donc elle est là, elle me filme et je suis focus, c'est important. Ok. Bon, voyez. Allez. On y va. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux. Quatre. Une, deux. Une, deux. Cinq. Une, deux. Une, deux. Six. Une, deux. 7. Last. 1, 2. 1, 2. 8. C'est la charge parfaite. La charge parfaite. Et là, 10 répétitions. On va avoir un bon contrôle. 1. 2. 3. 4. 5. Au début, je pensais que c'était trop léger, mais là... 6, 7, 8, 9, 10, wow, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, parfait, parfait. Je suis mort. C'est incroyable. Salut mec. Yes. Go. Allez, vas-y. Force. Yes. Et là, je suis mort. Je suis mort, c'est incroyable. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est une dinguerie. Oh. Je l'ai monté pour les double curls, mais 8, c'est bien. Mais j'ai envie de monter un tout petit peu, tu vois. C'est bien. Mais c'est pas excellent, tu vois. Moi, je veux que ça me tue, je veux que ça me broie. Donc, je vois si elle est 10. Les 10 kilos seraient parfaits. On va rester sur le 20. En neutre lourd. Et pour le double, là, je vais voir ça, je reviens. J'arrive. D'ailleurs, les exos que je fais, je peux les faire assis ou debout. Moi, là, je préfère debout, c'est mieux. En plus, il y a le miroir, je me vois. Mais tu peux les faire assis aussi sur un banc. Tu peux être le dossier. Comme ça, tu seras bien droit, tu seras bien stable. Mais je préfère debout pour la peine. Deuxième. Fais ça bien. On envoie. Allez. 20 kilos. On y va. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1. 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 2, 1, 2, 8, ok. Double, 10, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, oh. Oh, 10, 10 kilos, 10 à 10 kilos. Après ce qu'on a fait, c'est la charge parfaite pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ok. On est bien. Tu vois, les biceps, pour moi, je suis arrivé à un point où sans les soulever fort. Vas-y, mec. Sans les soulever fort, sans mettre des grosses charges lourdes, tu vois. Moi, il faut juste que je mette de la technique, je mette des tempos, je mette de l'intensité. Je varie entre le lourd et le léger. Comme ça, je suis bien. Et je peux bien me faire mal, je peux continuer à évoluer un tout petit peu. Même si que là, je pense pas que je vais améliorer encore plus mes biceps, surtout naturellement. Mais il y a moyen d'avoir une meilleure congestion, un meilleur rendu. Et on est là pour ça. Et aussi gagner des veines, comme ici là. Tu vois les veines que j'ai là, je ne les ai pas encore ici. Donc il y a moyen de gratter des petites veines. C'est important. Donc on fait ça bien. Allez, dernière. On fait ça bien. Allez. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux. Quatre. Une, deux. Une, deux. Cinq. Une, deux. Une, deux. Six. Une, deux. Une, deux. 7, 1, 2, 1, 2, 8, ok. Allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Parfait. Parfait, parfait. On est bien. D'ailleurs, tu vois, quand j'ai 2 secondes, je compte 2 secondes. Mais il se peut qu'avec le focus, avec la douleur, et ben mes secondes, c'est pas bon des secondes. Juste je compte une, deux, le schéma serré. J'essaie juste de faire un tempo, faire un blocage. Mais je suis conscient que mes secondes, c'est pas des vraies secondes. C'est un peu plus. C'est un peu moins que 2 secondes, 2 vraies secondes. Mais au moins, on est bon dans l'exercice parce qu'on a le blocage. Et c'est ce qu'il faut. Vraiment. Exercice suivant, j'ai pris la barre Z, j'ai mis 2 poids de 20 kg, ça fait 40 kg en tout avec la barre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'essaie de faire du curl biceps barre Z lourd, prise largeur des épaules. Je vais essayer de faire 8 reps, mais je garantis rien. Honnêtement, je garantis rien. Parce que ça fait longtemps et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je vais voir si j'ai pas trop de stress au niveau des poignets. Et on va essayer de faire 3 fois 8. Et rester droit surtout, pas trop jouer avec le dos. Mais je sais que ça va être lourd. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Oh, ça va pas manquer. Ça va pas manquer. C'est lourd, c'est dur, ça fait mal. Mais ça va, j'arrive à rester droit. Oh. Par contre, je prends un vrai temps de repos parce que là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et il me fallait au moins un exercice lourd dans ce programme. Et c'est celui-ci. Oh. Mais je suis content, j'arrive à le faire. Oh. Deuxième. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8. J'ai un bon contrôle. Alors que c'est hyper lourd. C'est bien. C'est bien. Il m'en reste une dernière. Là, je n'ai pas de congestion en 10 secondes. Sinon, ça va m'épuiser pour la suite. Mais on est bien. On se pose et on fait la dernière parce que
Il y a des frères, ils ont besoin de la barre. Et je vais leur passer. Donc je vais me poser un peu plus rapidement que prévu. C'est rien, c'est lourd, mais c'est rien. Focus. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Parfait. Parfait. On est bien. C'est parfait. Exercice suivant, on va faire un biceps. On va faire du curl biceps avec rotation 12 kg. Et juste après, double curl biceps en supination, mais pas serré. Là, on va écarter un peu pour avoir un ressenti différent au niveau des biceps. Allez. Et on va essayer de faire ça avec 12 kg entièrement. On va essayer de faire 10-10. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Pour l'instant, ça va. 6. Allez. 7. 8. 9. 10. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ça se fait mal. Oh. Wow. C'est incroyable. Je pense que ça. Je pense. J'ai même plus à parler. Je pense que ça va être mon dernier enchaînement biceps. Je pense. Après, s'il y a une poulie de libre, on va s'amuser pour les triceps. S'il y a une poulie de libre, parce que là, tout le monde se bat sur les poulies. Donc on va voir ça. Mais là, je commence à être vraiment bien. Et c'est important. Allez. On valide. Comment ? Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Alors franchement, ça fait mal. Je me sens bien. Je me sens super bien. Et là, depuis que je fais les Bulk Day, je fais des 3 séries par exercice. Et franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je pense que même quand je vais m'entraîner hors caméra, je vais faire des 3 séries. Parce que je me sens super bien. Mes séances sont moins longues et moins ennuyantes. Parce que tu vois, quand tu fais 4 ou 5 fois la même série, sur le même exercice, c'est chiant. Après, quand tu es débutant ou quand tu construis du muscle, c'est bien de faire ça. Par exemple, sur un point faible, c'est bien de faire 4 séries. Surtout quand tu as beaucoup de sensations. Mais pour moi, eh ben, c'est optimal. Et c'est très très bien. Parce que moi, clairement, mis à part les points faibles que je peux rattraper, le reste, ben, je m'amuse. Et je fais que d'entretien, tu vois. Parce que je peux pas devenir encore plus balèze que ça naturellement. Du coup, 3 séries, c'est optimal. Pour bien s'entraîner, c'est optimal. Vraiment. Ouais. Même si on fera des bulk day avec 4 séries et tout, sachant que, comme je l'ai dit, je sais pas dans quel bulk day, pour ma chaîne secondaire Dame Jordan Training, j'ai envie de faire des séances qu'on fait en salle, ensemble. Comme ça, il y aura une partie bulk day où c'est la séance complète où on discute, on parle,
Et la partie training, c'est juste moi qui compte les séries. T'as un temps de repos, mais on s'entraîne ensemble, tu vois. Comme ça, on va combiner les deux et ça peut être intéressant pour moi et aussi pour toi qui auras ces vidéos et qui souhaite s'entraîner avec moi, avec mes séances. Donc ça, c'est cool. Par contre, là, t'es pas prêt. Le nombre de fits que j'ai proposé et le nombre de personnes avec lesquelles je m'entraînais ici sur cette chaîne YouTube, ça va être incroyable. J'ai toujours dit, j'aimerais faire des feats, j'aimerais partager des séances avec des personnes. Je sais juste comment pas, enfin, comment je vais filmer ça. Je sais pas comment je vais filmer ça, mais j'ai envie de te partager plein de choses. Et là, je propose à beaucoup de personnes sont chauds. Et j'ai vraiment envie de te partager ça de la meilleure des façons. Vraiment, j'ai envie que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne où, voilà, je m'entraîne, c'est bien, je montre comment je m'entraîne, je montre des programmes, je montre des séances. Et aussi d'autres sujets. Et j'aimerais partager aussi ma vision, mes séances et aussi des séances d'autres personnes avec la muscu et échanger parce que c'est important. La muscu, le sport, c'est ça, c'est du partage et de l'échange. Mais j'ai envie aussi de bousiller plusieurs personnes parce que c'est important. Il faut que je les bousille. Il faut qu'ils me bousillent aussi, mais il faut que je les bousille. Ok? Ça, c'est important. Il faut que je redore le blason de Dame Jordan Fitness. C'est important. Allez, dernière. On fait ça bien. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. 9, 10, il est dit derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de la 7ème, c'était dur. La 7ème, j'ai senti les demi-reps, ça fait super mal. En tout cas, ça va, ça fait du bien. Et un truc avec moi, je sais pas si c'est ingrat ou pas, mais c'est très frustrant, c'est que quand je bosse les biceps, au début c'est dur, mais après mon endurance musculaire au niveau des bras, ça vient super vite. Parce que de base, moi, en biceps, je suis très endurant, très très endurant. Ça veut dire que là, je sais que je peux encore fracasser, je peux encore 3-4 séries, 3-4 exercices, pardon, en série 3, je vais tenir, tu vois. Je vais tenir. Parce que mes biceps, ils ont l'habitude de ça. Et quand j'entraînais avant, je faisais des séries longues. Je faisais des séries de 100. Je faisais des trucs de fou. Et ça, mon corps, il a gardé, tu vois. Il a vraiment gardé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me dis, putain, c'est chaud. C'est compliqué. Mon corps, il a gardé tout ça. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On va continuer. Là, on a fait les choses bien. Il y a une poulie qui s'est libérée, je pense. On va l'utiliser, faire un peu de curl biceps avec, et après on va se massacrer les triceps dessus. Hein. On va faire ça bien, de la meilleure des façons, et puis on avance. Hein. Sinon là, vos biceps, je sens que je suis bien, je suis plein, je suis rempli, je suis content. Mais la séance n'est pas terminée. Allez, dernier exo bras, exo ultime, on va se faire du curl à la barre droite. Je mets 30 kilos pour être bien. Et là, il faut vraiment que je sois concentré parce que c'est là que je vais vraiment envoyer aussi. Je prends la barre, épaule en arrière, je rentre les abdos et on y va. On va se faire 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, franchement, c'est incroyable comment ça fait mal, ça fait super mal, mais c'est ça qui est bon. Par contre, j'ai des sensations à la barre droite, à la poulie, c'est des sensations de fou. Là, je monte à 40, là. Ça reste à 50, je sais pas si je pourrais tout soulever, mais 30, c'était relativement correct, 40, on verra c'est comment. Si c'est facile, on mettra 50, on mettra le maximum de la machine.
Mais honnêtement, en toute modestie, je pense pas que je pourrais soulever 50 kilos. 40 kilos, je pense que ça va être très très dur. Vraiment. Allez. 40 kilos. Ah, je sens que c'est lourd. Je sens que c'est très lourd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Je mets 20 kilos. Je dirais 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oh. 40, c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est bien. Mais pour ce que je fais, c'est trop lourd. Il reste à 30, c'est mieux. 30, c'est beaucoup mieux. Oh. Franchement. Si j'ai pas fait tout ce que j'ai fait avant, j'aurais aimé faire 40, hop, 10, après 20, mais ça va m'amuser, sachant que j'ai les triceps à faire. Je pourrais assumer, hein, je pourrais l'assumer, mais pour les triceps, après, ça va être compliqué, vraiment. La dernière, je vais la faire à 30, tranquille. Et après, triceps, on va s'amuser. Avec la bras droite, toujours. Il y a 30, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas assez récupéré. 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. On a validé. Mon but, c'était pas de trop me cramer. Hein. C'était juste rajouter un dernier exercice biceps vers la fin. On est bien maintenant. On va attaquer les triceps tranquillement. Histoire de mettre un petit bonus à cette séance. Sachant que là, il est 22h20. C'est très très bien. 26, pardon. Très très bien. J'ai 30 minutes. Les triceps, même si que je pense que je vais faire juste un exercice ou deux, parce que de base je voulais faire une séance spéciale biceps. Triceps, on va dire, ça va être le petit bonus. 17,5 kg. On va faire ça bien, un bon mouvement. 1, 2, on va en faire 15, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. D'habitude, je fais l'inverse dans le sens où là je vais prendre comme ça maintenant. Mais j'aime bien faire l'inverse, mais là, on va essayer de ce sens-là. Maintenant, j'aime bien faire supination après pronation. Mais là, on fait pronation après supination. 15 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, j'ai mal, mais c'est bon, c'est très très bon, vraiment. Oh. Franchement, là je suis épuisé, hein. Je suis épuisé. Les triceps, ça m'a toujours fait beaucoup plus mal que les biceps. C'est un gros muscle, mais ça me fait mal de fou. Là, j'ai juste fait une série. Une série 15-15, mais c'est incroyable. Comment ça me fait mal, c'est incroyable. Je vais quand même aller à 3, je vais quand même me forcer à me faire mal.
à valider ma séance. Mais ouais, là, ça fait super mal. C'est un délire. Ah. Et le triceps, comme j'ai dit, hein, c'est important. Tu as des gros bras. C'est les triceps qu'il faut bosser. Pas les biceps. C'est les triceps qui font tout ton bras. C'est important. Allez, on repart. Pronation. Après, supination, on reste à 17-5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ça fait mal. 12. 13. 14. 15. Oh. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle pour de vrai. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Wow. Wow. Oh, c'est un délire. Oh, c'est un délire. C'est incroyable. Manque une dernière. On va valider ça. Je l'ai baissé au niveau de ma charge. Mais on va rester à 17-5. On va rester, on va se faire mal jusqu'au bout. On va se faire mal jusqu'au bout. Demain, on aura des crampes au bras. Mais c'est pas grave. On sera bien. Et on aura validé la séance. Sachant que là, on est vendredi soir. Demain, samedi. Après, j'ai mon dimanche de repos. Je suis bien. Je suis tranquille. Oh. Et je peux me reposer. Même si que dimanche, je vais sûrement aller à la salle encore une fois. Ah, c'est incroyable. Allez, dernière, reste ça bien, on voit, pronation, 17-5, on n'a pas baissé, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Je souffle un peu et après je repars. Un petit peu. Ah. C'est incroyable. Ça fait mal. 15. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Oh. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable quand ça fait mal. C'est incroyable. Je vais voir s'il y a la barre en V là. Parce qu'il y a une barre en V, elle est pas mal. Pour faire encore les triceps dessus. Et après, c'est bon. Hein. On pourra rentrer à la maison tranquillement après. Je suis en train de regretter mon choix parce que je me suis glissé pour ramasser ça. Et j'ai une crampe déjà aux triceps. Ça fait mal. C'est incroyable. Je vais essayer quand même. Peut-être faire deux séries. Je vais mettre 15 kilos. Deux séries de 10 tranquilles. Juste pour avoir une bonne petite congestion. Un bon ressenti. Et puis voilà. Hein. Faire ça bien. Allez. 15 kilos. 10 reps.
On va bien serrer ça là. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Ça va, c'est pas très lourd. Mais en but, c'est de garder une petite tension au niveau du triceps, me faire mal, sentir quand même une bonne congestion et contraction pour cette fin de séance. On est bien, on va en faire trois. Allez, deuxième. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10. Ok, parfait. On est bien. Il manque une dernière. Et là, on rentre à la maison, on fait ça bien et on va dormir. Parce que c'est important. Allez, dernière, on valide. C'est parti. Hop. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Oh, c'est validé. On a fait ça bien. On a un bon biceps, un bon triceps en feu. Oh, j'espère que tu vas essayer cette séance et que tu m'en diras des nouvelles parce que c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'on va faire beaucoup de séances comme ça qui vont se détruire, qui vont nous détruire ensemble pour jouer sur ma chaîne secondaire pour qu'on puisse l'adapter pour nous. Et puis voilà, en tout cas, moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.